Le syndicat d'eau du pays d'Argentan est composé de 26 communes qui représentent 23 000 habitants. En 2015, il a été soumis à de nouvelles contraintes réglementaires qui l'obligent à mettre en place des zones de protection contre la pollution autour des captages d'eau potable en milieu agricole. Il en a profité pour mener une politique alliant protection des terres et de l'eau et préservant son agriculture. Il a été appuyé dans cette action par le syndicat départemental de l'eau de l'Orne. Pour alimenter la population, on est obligé de créer des captages d'eau potable. Donc ça peut être des prises d'eau en rivière, des forages, des sources. Pour protéger ces captages-là, de façon réglementaire, il est demandé à ce qu'on mette en place des périmètres de protection pour prévenir des pollutions accidentelles et ponctuelles, mais aussi limiter les pollutions diffuses et chroniques, telles que les nitrates ou les pesticides, par exemple. Le périmètre de protection immédiate doit être acquis par la collectivité, clôturé, remis en herbe s'il ne l'était pas, et aucune activité est autorisée. Habituellement, on est sur des surfaces inférieures à 1 hectare, aux alentours de 1000 m². Le périmètre de protection rapproché, les exploitants peuvent continuer de l'exploiter, mais par contre, il y a des activités interdites ou réglementées. Donc, par exemple, il peut être interdit l'épandage de lisier, ou alors les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et pas deux fois. Il y a maintenant 3 ou 4 ans, l'arrêté préfectoral qui ordonnait la protection des captages de tout secteur est arrivé. Les périmètres qui étaient définis, et notamment les périmètres immédiats et les périmètres rapprochés, étaient de grande superficie, puisque les périmètres immédiats font 28 hectares et les périmètres rapprochés tournent autour d'une centaine d'hectares. Donc voilà, c'était une contrainte très importante pour la collectivité et puis les agriculteurs en place, puisque a fallu éviter les expropriations. Alors nous avions la possibilité de uniquement indemniser effectivement les agriculteurs, puisque telle est la règle, mais tout de suite, on s'est dit que ce n'était pas forcément la bonne solution. Il y avait sur le secteur, notamment une exploitation importante, qui, elle, jouait pratiquement sa survie, parce que l'argent ne fait pas tout. Et donc, il nous a semblé qu'en matière agricole, il était bien plus intéressant d'essayer de trouver des solutions peut-être un peu novatrices, en trouvant les bons partenaires. L'arrivée de Terre de Liens dans ce dossier Saint-Roch, c'est la rencontre avec le syndicat départemental de l'eau, qui s'est dit, tiens, et si vos outils pouvaient permettre d'acheter des terres, une partie des terres, 15 hectares, et de les louer à une agriculture qui va respecter la ressource en eau souterraine. Et c'est à partir de là qu'effectivement ce projet a pris de l'ampleur. Parce que dans les zones rapprochées, il y avait la possibilité, qui était apportée par Terre de Liens, de mettre en place un agriculteur bio. Donc on est entré en dialogue avec cet agriculteur bio, dont on connaissait le nom et le système de production, donc du lait en bio, depuis de multiples années. Et lorsqu'on est allé le voir, on a assez rapidement compris que des surfaces de prairies et donc d'herbes de fauche allaient être intéressantes pour son système. Et donc allaient également être intéressantes, parce que l'herbe est le meilleur filtre, allaient être protecteurs de la ressource en eau. L'avantage de l'agrandissement, c'était de pouvoir avoir davantage de nourriture pour mes animaux. Parce qu'avec les années de sécheresse qui reviennent de plus en plus souvent, il m'arrive souvent d'être un peu juste. Récupérer des terres autour du plan de captage, pour moi, c'est comme manifester l'intérêt et montrer l'intérêt de l'agriculture biologique pour la préservation des sols et aussi des nappes phréatiques qui sont dessous.
Dans ce projet qui est un projet qui peut s'assimiler à la fois à un projet agricole, puisqu'il y a des agriculteurs qui sont concernés, et en même temps protection de l'environnement, puisqu'on est sur la protection d'un captage, la SAFER a été amenée à faire du remaniement parcellaire, on va dire, puisque dans le cadre de cette protection, il fallait que les gens qui étaient sur place et qui finalement sont là depuis longtemps, n'avaient rien demandé, acceptent de laisser une partie de leurs parcelles qui sont concernées par la protection de l'eau, pour qu'on les déplace et qu'on ramène quelqu'un qui va être exploitant en agriculture biologique. Et on a fait pratiquement un remembrement sur tout le secteur qui a permis à ce qu'aucune exploitation ne perde quoi que ce soit dans son exploitation à venir. Je dirais même que certains ont pu même améliorer leur façon de travailler. Et une ferme cessait son activité, donc qui a libéré quand même de nombreuses parcelles de bonne qualité et a favorisé les échanges. Et puis, on ne l'a pas cité jusqu'à présent, mais aussi l'Agence de l'eau a quand même apporté des financements qui sont très très loin d'être négligeables. L'Agence de l'eau, elle a soutenu ce projet de deux manières. Depuis plusieurs années, 2015, elle soutient Terre de Liens pour détecter du foncier et repérer également des agriculteurs bio. Ça, c'est un travail au long cours. Et sur le dossier Saint-Roch, plus spécifiquement, sur la fin, il y a eu une aide financière de l'Agence de l'eau auprès de la Fondation reconnue d'utilité publique, Terre de Liens, pour acquérir concrètement ces 15 hectares. L'intérêt pour l'Agence de l'eau de soutenir ce projet et de financer la Fondation Terre de Liens, c'est d'installer durablement une agriculture plus compatible avec la protection de la ressource en eau, qu'est l'agriculture biologique. Dans le cadre d'un périmètre de protection de captage, il faut se projeter à long terme. Et donc, le fait que ce soit Terre de Liens qui se propose pour être le porteur du projet est un gage de pérennité de l'opération. On peut souligner le rôle complémentaire des deux opérateurs fonciers qui ont été la SAFER et Terre de Liens, dans le sens où la SAFER a mené toutes les négociations qui ont permis d'aboutir sur les échanges fonciers. Et Terre de Liens a permis d'installer de l'agriculture biologique à un endroit sensible, qui était les périmètres de protection, en se portant acquéreur des parcelles. Nous, ce qu'on aimerait bien à Terre de Liens, c'est qu'un projet comme celui-ci donne envie d'être reproduit ailleurs. Et donc, que tout un tas d'acteurs s'asseye autour de la table pour plusieurs années et fasse émerger des acquisitions et l'arrivée d'agriculture bio au-dessus des captages d'eau. Alors les clés de réussite dans une opération foncière, c'est toujours le cas, il faut anticiper. Le foncier, c'est toujours du long terme. Et donc là, on était dans ce cadre-là, il a fallu 7 ans. Donc il faut accepter, dans une opération de restructuration, de protection, 7 ans finalement, à l'échelle de temps d'un homme, c'est beaucoup, à l'échelle du temps de la planète, c'est dérisoire. Et là, la protection de l'eau, on est bien plus à l'échelle du temps de la planète que de l'échelle des hommes. Dans le mouvement Terre de Liens, se rendant compte des multiples services que rendent les sols, cette terre agricole, on se dit, c'est un bien commun, c'est une ressource à protéger et à gérer différemment. Donc la terre agricole comme un bien commun, ça fait partie de l'ADN de Terre de Liens. Et là, il y a possibilité et de protéger cette terre, et de protéger l'eau qui va la traverser et qui va être stockée en dessous. Du coup, c'est gagné. On protège deux biens communs en une seule action. Une opération de ce genre ne peut être menée qu'avec une vraie volonté, et puis en étant persuadé que ce n'est pas qu'en donnant de l'argent qu'on arrivera à résoudre les problèmes d'environnement en général. Et donc, ce qui doit nous guider à tous, c'est justement cette notion de protection de l'environnement, parce que ça, on va le céder à nos enfants, à nos petits-enfants.